Bonjour à tous, ici Coach Labbé et bienvenue dans mon blog Vendeur Automobile. Si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, je vous invite immédiatement à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne manquer aucune capsule des plus pro de la semaine qui vont être mises à votre disposition. Aujourd'hui, c'est une question de nos étudiants en formation en vente automobile qui revient souvent. C'est quel est le meilleur moment pour présenter le meilleur prix au client? Ça semble banal de répondre à une question lorsque le client nous demande c'est quoi ton meilleur prix. Mais une mise en garde pour ne pas tomber dans le piège, parce qu'une fois qu'on a donné le prix, il va être difficile de faire une marche arrière. Voici les étapes que vous devriez considérer avant de donner le meilleur prix à votre client. Premièrement, c'est hyper important de faire une bonne qualification des réels besoins de votre client, afin de comprendre quels sont les équipements qui sont importants et quels sont les équipements qui sont essentiels. De cibler le mauvais véhicule va nous donner le mauvais prix. Deuxième élément qui est important, c'est de connaître la fourchette de prix du véhicule. Donc, le premier d'entrée de gamme avec les équipements série jusqu'au véhicule le plus équipé de ce modèle. Ça va donner une idée d'ordre de grandeur à votre client. Ça va peut-être mieux vous cibler aussi dans les équipements qu'il recherche. Troisième élément aussi qui est important, c'est lors de notre démonstration capot-valise, de ne pas hésiter de présenter la fiche client avec les caractéristiques du véhicule ainsi que l'ordre de prix des accessoires. Ça peut l'aider aussi, donner une idée de référence à votre client dans sa réflexion. Quatrième élément, je pense que c'est le point le plus important, c'est au retour de l'essai routier. Il faut absolument que lorsqu'on fait une rétrospective du véhicule, que le client puis réponde à votre question, est-ce que c'est le véhicule que vous aimeriez posséder pour les prochaines années? Si la question est affirmative, invitez votre client à joindre à votre bureau, établissez une stratégie avec votre directeur des ventes afin de cibler le meilleur prix en incluant les meilleures offres du marché et les rabais. Une fois que votre présentation est prise, soyez à l'affût avec votre directeur des ventes pour une intervention si jamais vous avez besoin d'assistance ou de takeover. Donc, voici les étapes qu'on avait pour présenter le meilleur prix au véhicule. D'ici ma prochaine capsule, j'apprécie vos commentaires, cliquez les j'aime, partagez, écrivez-nous. Et d'ici notre prochaine capsule, je vous souhaite bon succès et surtout bonne vente.